l'humanimalité. C'est agréable. Hein. L'homme industrieux. L'homme est industrieux, non pour échapper à sa condition animale, mais pour échapper à sa condition d'être pensant. Car ses pensées lui font peur. Car ses pensées font la peur. Alors il prend refuge dans l'action, il terrasse, il abat des arbres, il construit des maisons, des routes, des ponts. Et s'il n'a plus de ressources pour élaborer la matière, alors il prend refuge dans les autres. Il s'occupe des autres et même il en crée de nouveaux, dans lesquels il voit ses propres fragilités, ses propres défauts et se voit utile. Et s'il n'a personne sous la main, il construit la parole. La philosophie, pour ne pas penser la peur. Voilà pourquoi le moine, l'ermite ou l'ascète abandonnent les biens matériels, les occupations familiales et portent toute leur attention sur la construction de l'esprit. Mais n'est-ce pas là la fuite la plus grossière ?